Lumière, 104, première. Partez. Est-ce que quelqu'un ici accepterait de me gratter le dos? Gratte-toi le ciel de grattera. Quoi? Dans Jules et Jim? Gratte-toi le ciel de grattera. Tiens! Il ne m'a jamais rien indiqué. Absolument rien. Avant de vous connaître, tous les deux, je ne riais jamais. Je faisais des têtes comme ça. Mais c'est fini, plus jamais ça. Maintenant, c'est comme ça. En soi, crée une atmosphère sur un plateau qui est un peu l'atmosphère d'un divertissement, d'un moment qui est volé à la vie. C'est ma vie. Et la femme que je suis s'est nourrie de tout. On a l'impression qu'il vit et qu'il regarde vivre les autres. Et les metteurs en scène, hommes ou femmes, personne n'est un pantin. Et les personnages se sont nourris de moi. Mais c'est comme un échange, tu vois. Vous savez, la création, c'est comme ça, hein. Et en fait, on n'est pas obligé de prendre des notes, on n'est pas obligé, c'est quelque chose. Avec les années qui passent, on dit toujours qu'en vieillissant, les gens deviennent plus... Vêtus de nuit, débarrassés. Autant de vous que de moi-même. On va pas rouler comme ça pendant des heures. Oui, je peux descendre si vous voulez. Ah, mais non, il s'agit pas. Et alors on a commencé à me proposer des personnages. Soit elles sombraient dans l'alcool, soit c'était des mères qui étaient jalouses de leurs filles, soit elles se tapaient des gigolos, soit elles étaient suicidaires. Et moi, j'ai décidé de... Je ne voulais pas montrer cette image des femmes aux femmes qui avaient mon âge. Et je pense que je fais des progrès comme actrice. C'est quand même pas mal de sentir qu'on fait des progrès. Ça aide à vivre. J'aime beaucoup danser. J'y peux rien. Je danse à la perfection. Des gens qui ne savent pas danser, des gens qui ne bougent pas, c'est toujours très inquiétant. Écrire, ce serait trouver le bon mouvement, la bonne vitesse. Vous voyez, une manière de danser. J'aimerais qu'on s'arrête jamais.